Hamon & Benson. Le journal des stratèges. Et on va vous parler de la plus grande imprimante 3D du monde, qui aura une structure haute de 180 mètres et qui sera utilisée en Chine pour imprimer en 3D et bien un barrage hydroélectrique. Il n'y aura aucun humain employé et présent sur le chantier. L'ensemble des engins de construction et bien seront tous sans pilote et contrôlés par des intelligences artificielles, nous dit trustmyscience.com. Alors, la centrale devrait être achevée en 2024 et alimentera en électricité toute la province du Henan, ce qui fait à peu près 100 millions de personnes. Alors, il faut savoir que la Chine occupe déjà la première place du classement des pays producteurs d'hydroélectricité, puisque près de 31% de l'hydroélectricité produite dans le monde est 17% de la production d'électricité vient de la Chine. Ce projet et inédit a été présenté dans le journal de l'université de Tsinghua. L'article évoque un système d'impression 3D utilisant des robots intelligents pour le remplissage rapide et efficace de grands projets de construction. Alors, il faut savoir que la Chine est loin d'être novice en la matière, puisque le plus grand pavillon imprimé en 3D au monde et le premier pont rétractable imprimé en 3D ont tous les deux été construits en Chine. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.